Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur Just Cause 4 pour la suite de l'aventure avec Alex Rodriguez. J'espère que vous allez bien. Livraison instant, ça fait plaisir. On va récupérer l'ULM du coup qu'on avait découvert, rappelez-vous, à la vidéo précédente lors d'une mission. Il me semble que c'était la mission L'Histoire Secrète de Solis. On avait également découvert le premier tombeau du jeu. Et ça franchement c'est cool parce qu'il y a des missions qui sont quand même relativement variées. Moi je trouve ça bien et plein d'activités évidemment comme dans tous les Just Cause. Allez, donc l'île, regardez, à laquelle on va s'attaquer aujourd'hui est juste en face. C'est au dos de la Rongla. Apparemment c'est une base radar et on va devoir lancer des missiles tout simplement. Donc voilà, on va suivre cette mission et regarder, détruisez les générateurs bloquant le lanceur. Et il y en a plusieurs. Alors, nous devons mettre les missiles en position de tir et les lancer. Ensuite, je grille le système et j'envoie les missiles en plein ciel. Les lanceurs seront inopérants. C'est là que j'interviens ? Oui, les systèmes de verrouillage de chaque lance-missile sont alimentés par deux générateurs qui doivent être neutralisés. Entendu. Et je crois que les lance-missiles pourraient nous servir à autre chose, une fois qu'ils seront redressés. On va bien s'amuser. Ok, j'ai compris. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des hélicoptères de partout, mon dieu! Aïe, aïe, aïe! Ah, ça, c'est un générateur. Je pense que c'en est un. Apparemment, il disait qu'il y en avait deux, hein, il me semble. Ouais, effectivement, deux générateurs par zone. Par contre, ah ouais, non, mais ça va être trop tendu, là, en vrai. Attends, ça va être trop tendu. Attendez, monsieur. Attendez, monsieur. J'essaye de m'enfuir de là, je ne sais pas comment je vais faire. Au pire, je vais sur l'hélicoptère, non? Ah, j'aurais bien aimé. Voilà, je l'ai touché effectivement, j'en ai eu un, c'est magnifique, c'est super, rien à tout ça. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est prendre possession, éventuellement, tu vois, justement, de tout ça. Je viens d'activer la rampe, c'est trop marrant, comme ça au moins je peux passer par l'arrière si ça me chante. Attendez, j'ai pas envie de mourir non plus, faut pas déconner. Je reprends comme ça, ok, qu'est-ce que t'as toi? Problème? Allez, duel face à un hélicoptère. On est là, on est chaud. Hop là, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, tendu, hein? Attention. Attends, j'essaie de l'avoir. Il me reste des munitions? Ouais, c'est bon. Allez, mort. Je crois qu'il est mort, c'est bien. Et là, franchement, l'hélicoptère, il est pas bien. C'est un peu tendu, quand même. Moi, je suis pas habitué à m'occuper des hélicos encore, j'avoue. C'est pas faux. Attends, je vais récupérer le snipe. Ça va m'être quand même, je pense, assez utile. Je vais récupérer ça. Viens par ici, Coco. Voilà. Ça, c'est une balle à mort, les gars. Allez, boot shoot. Ok, pas évident de bien viser. On s'en sort. Lui, pendant qu'il est en train de recharger, moi, j'ai tout le temps pour le viser, pour ajuster mon shoot. Hop, j'adore le sniper, c'est génial. Il est où? Il était là. Ok, il vient de bouger, le saligo. Attends, je vais monter pour l'avoir. J'aurais bien aimé l'avoir, tu vois, ça aurait été beau. No scope. No scope. Génial. Alors du coup, je disais donc qu'il y avait ici même, il me semble, un générateur. Oh là, qu'est-ce que tu fais toi? Super, ça c'est fait. Là on va s'occuper justement des petites portes. Ah ouais, mais on faisait ça, il me semble, au début du jeu. Voilà, et là après, il suffit de les prendre, des générateurs, et des envoyer un peu chier. C'est pas vraiment ce que je voulais, ça. Attends, va voir là-bas si j'y suis. Voilà, 1 sur 2, super. Donc ça c'est un générateur du lanceur Est, donc il faut trouver maintenant un autre. Alors, apparemment, il y en a là-bas. Il n'y aurait pas d'autres dans le coin. Bah, écoutez, on va se diriger là-bas. Bah, apparemment, c'est ça qu'on m'indique. Mais à mon avis, j'en ai oublié un dans le coin là-bas. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ah, mais attends, il y en a en bas aussi. Ouais, super. Super, super. J'en ai un par là. Par contre, il me semble qu'il y a une sorte d'hélicoptère, non? C'est pas une sorte, c'est un hélicoptère. Eh hey, mon pote. Mais non. Et qu'est-ce que tu fous? Voilà. Je voulais pas que tu fasses ça, moi. Le générateur, tu le chopes et tu l'envoies chier. Voilà. Il y en a un autre. Arrache-le. Nickel. 1 sur 2. Donc effectivement, on est au lanceur ouest. Très bien. Et donc, j'en ai un deuxième ici. Donc ça veut dire que là-bas, à l'est, il m'avait pas indiqué le deuxième, alors. Et il me semble qu'il m'avait pas indiqué le deuxième. Hein. Tu dis pas de conneries. Hein. Ah, j'ai trouvé. Je pense que c'est ça. Tu reconnais un petit peu les formes, évidemment. D'accord. J'ai arraché la porte un petit peu n'importe comment, quoi. Alors, attends. Hop, attache-le. Là-bas. Voilà. Ouh, ça bloque un petit peu, mais ça va passer. Et là-bas. Allez-y. Ok, 2 sur 2. Je vais le redresser maintenant. De ce côté, c'est bon. Par contre, c'est vrai que du coup, j'ai pas tout... tout trouvé. Alors attends, je me passe un petit peu comme ça. Où est le prochain générateur? Si vous le voyez, vous me dites. Hein. C'est bon, je l'ai vu.
Je l'ai vu. Salut toi. Wouh. Salut. Coucou. Ah, j'ai plus de mun, mais quel con. Il a eu le temps de mettre sa tourelle du coup, mais quel débile. Voilà. Ça c'est bien. Je m'occupe de ça. Comme d'hab. Hop. On arrache le générateur. Donc logiquement on devrait gagner une unité hein, si tout va bien. L'autre est prêt. Ok. J'active le lance-missile. Ah si, donc ça faisait partie effectivement des lanceurs Est alors. Ah d'accord, donc non, je me suis pas trompé du tout en fait. Très bien. Tu m'en diras, attends. Allez, donc on va là-bas maintenant. Oula, par contre, ouais. On va essayer de se diriger un petit peu avec la wingsuit, parce que là ça va être un petit peu juste d'aller jusque là-bas. Un petit peu juste. Mais ça va le faire, on a confiance. Ah, la wingsuit c'est vachement bien quand tu commences à la maîtriser un petit peu. Alors, chasse au générateur, où est-il? Attention, il y a du people dans le coin. Effectivement. Coucou. Suivant. Ok, il y en a un par là. Crève. Mon colonel, c'est pas ma guerre. Voilà. Bon, attention. Il me reste des munes de snipe. Non, j'en ai pas récupéré, c'est bien la mouise. J'ai tué. Non. Il y est là? Toujours pas? Ah mais il meurt quand lui? Oh, oh, oh. Mais j'y crois pas. Mais c'est ouf. Le mec meurt jamais. C'est hallucinant. Très bien. Ça rend dingue. Sérieux. Ça me rend fou. Je vais le protéger lui. Voilà. Bon, on va s'occuper de ça du coup hein. C'est bon. Si je passe 20 ans à tuer les ennemis, ça va pas le faire. Voilà. Arrache la porte. Arrache le générateur. Oh merde. Heureusement que j'ai beaucoup de santé hein. Bah ouais. Heureusement. Ça marche pas? Je comprends pas trop le délire. Attends. Ah non, faut le mettre au sol, je suis con. C'est vrai. Sur un poteau, ça va aussi apparemment. Bizarre. Voilà. C'est fait. 1 sur 2. Ensuite. Apparemment, il n'y a rien là-bas. On va le trouver. Hein. On va le trouver. C'est pas évident comme mission, mine de rien. Pas évident, il est où le dernier générateur? C'est une bonne question. C'est des gentils ça, ouais, c'est des gens qui bossent. Où est-il ce générateur? Je ne sais pas. Je vais le chercher. Petit générateur, où es-tu? Attends, je vais prendre un petit peu de hauteur pour le coup. Il est où ce générateur? Ah, il est là, c'est bon. J'ai trouvé. Ok. Allez. On va s'occuper de ça. Le petit dernier. Et voilà. C'est fait, monsieur. Dernier lance-missile déverrouillé. Je le redresse. Ça va être génial. Bien, venez me chercher, s'il vous plaît. Je suis dans un garage dans le secteur sud-ouest de la base. Prenez un véhicule et amenez-le ici. Quand vous serez là, klaxonnez. Alors, attends, tu veux un véhicule en plus. Attends, j'ai des véhicules sympathiques, là. Je vais en prendre un. Justement, je dois pouvoir le prendre. Attends, je m'occupe d'eux, là, parce que sinon, ils vont m'embêter. Une moto, est-ce que ça convient? Au perso, je pense pas. Allez, on prend ça en plus, c'est... À mon avis, c'est blindé. C'est cool. C'est parti, est-ce qu'on a le turbo? Oui, on a le turbo. C'est parti. Wouhou. Oh merde, saute vite, c'est mort. Attends, il passe de l'autre côté? Non. Ah, je serais mort, tu vois. J'ai bien fait. Alors au pire, j'ai un hélicoptère. Est-ce que ça le fait? Tu penses que ça le fait? On va essayer. Ah non, apporter le véhicule au garage, ça va pas le faire du tout. Attends, on va y aller comme ça et au pire je me ferai téléporter un véhicule, c'est pas grave. On va aller voir là-bas. Oh, j'adore comment on se déplace, c'est trop kiffant. Vraiment quoi. Ah mais y'en a plein là. Abusé comme c'est shit. Apporte un véhicule au garage alors que t'en as sur le parking quoi. Énorme. Alors attends. C'est où? Bah c'est là. Je vais juste prendre ce véhicule blindé plutôt. Hein. Ouais, il vaut mieux. Hein. Plus y a de défense, mieux c'est parce qu'à mon avis on va avoir de la compagnie. En route. Allez, en route, klaxonner. Comment on klaxonne? B. Je suis là. J'arrive, monsieur. Allez, let's go, monsieur le hacker. Allez, j'ai à cœur de ne pas mourir. On doit rejoindre une console de l'autre côté de la base. Un ravin nous sépare et nous devons le franchir. J'ai étudié le plan de cet endroit et si on touche le sommet de l'un des lance-missiles avec assez de vitesse, ça pourrait être une façon amusante de franchir le ravin, pas vrai? J'aime votre façon de penser, Alejandro. Ennemi dans un véhicule terrestre. Ouais. C'est un peu risqué, non, quand même. Enfin, on verra bien.
En même temps, Just Cause 4, c'est de la démesure, comme pas possible. Allez, donc là on a du turbo, je vous rappelle, attention. Est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas quoi. Attends, mais non, on va jamais y arriver. J'ai une idée. Parce que là on n'y arrivera jamais les gars. J'ai une idée quand même. Avant d'aller plus loin, parce que là c'est impossible qu'on y arrive. On n'a pas réussi à sauter de l'autre côté, tu vois, avec le véhicule, donc à mon avis. Ah mais d'accord, retourner changer de véhicule, mais non. Attends un petit peu. Je vais juste mettre des boosts. Bouge pas. Juste un boost au milieu au pire. Voilà, juste un boost. C'est tout ce que je veux faire. On y va. Allez, un petit boost au milieu. J'aurais dû en mettre deux en fait. C'est parti. Allez, go go go. Ça passe? Ouais. Je préférais mettre le boost, tu vois, on sait jamais. Je le sentais pas sans boost. Je sais pas, ça m'a rassuré. Donc au pire, bon. Voilà quoi, il faut jouer un petit peu avec nos gadgets. Ok, tout va bien en tout cas. Et donc c'est bon, il n'y a pas besoin de changer de véhicule. Je me suis dit, je suis descendu, je vais devoir tout recommencer. Mais non, c'est bon, pas de soucis. Ok, bon, je suis la trajectoire, hein. Évidemment, le GPS, je préfère. Comme ça au moins, on est sûr que tout se passe bien. Une tourelle? Je peux sortir. Ah oui, d'accord, attention. Voilà. Allez, il faut que je couvre. Très bien. Je vais te couvrir, mon pote. J'ai une tourelle, attends, je suis con. Autant en profiter. Utiliser la mitrailleuse. Allez, les gars, c'est parti. Oh, il y a des gens là. Oh putain, shit. Bougez-vous. Restez pas devant. Conseil d'amis. Oh putain, j'ai pas vu là-haut. Ok. On va crever. Attends, mais. What? Ouais, mais c'est là-haut là, il nous déglingue. Je suis mort. Ok, fallait se mettre plus rapidement à la mitrailleuse, premièrement. Et secondo, fallait viser les mecs et pas les parachutes en fait. C'est un truc de fou. Et j'ai hâte de voir une tornade. Pour l'instant, on n'a pas vu de tornade, c'est hallucinant. Allez, je reprends possession de la mitrailleuse. Piratage du système en cours. Fais dodo. Toi, lâche-moi un peu. Ok, parachutiste. C'est marrant qu'on puisse pas péter les parachutes. Je trouve ça étrange. Je sais pas vous. Allez, c'est parti. On va essayer de les déglinguer. Ah, d'accord, mais faut qu'on les voit tomber en fait. Ok. Si on les voit pas tomber, c'est qu'ils ne sont pas morts. Attention, parce que ça arrive en bas aussi assez rapidement. Ok, repasse là-haut. Puis aussi, ils font mal les parachutistes. Voilà. C'est pas mal. Il y a des gens qui arrivent aussi au loin. Je les vois. Je vous vois. Toi, tu es là. Ne tue pas le hacker. J'ai à cœur de le maintenir en vie. Faut que j'arrête avec ces blagues. C'est bon? Ça a l'air bon. Ok. Faut quitter la mitrailleuse, je pense. Allez. Amenez un véhicule au hacker. Attention, mec. C'est bon. Allez, let's go, avance. Il me reste pas mal de mun, c'est bon. Oh, attention, tout explose dans ton coin. Ça fait peur. Il y a des armes tuées partout, forcément, vu qu'on a tué beaucoup de monde. Ok. Non, lui par contre, j'en veux pas. Lui non plus. Mais il va où en fait? C'est vachement loin. Pourquoi on n'y est pas allé en véhicule en fait? Merde, une tourelle. Une tourelle, où ça? Dis-moi tout. Où ça, une tourelle? Donc ça, c'est le truc, ok, très bien. Moi, j'ai un truc ici. Le mortier. Oula. Ah ouais? Comment osez-vous? Comment osez-vous, mesdames, messieurs? Je suis contre la violence. Le mec, t'sais. Ok. J'essaie de voir où sont les mecs. Oh, attention! Il est où, lui? Oh, salut! Fallait pas rester là, mec! De faire exploser ce truc là-bas. Ok, j'ai encore besoin d'aller quelque part, monsieur. Eh, le bruit du mortier, il est trop marrant. Alors, amenez un véhicule au hacker. Ok. Attends, un véhicule? Disons que j'ai tout pété, c'est un peu compliqué. Oh putain, mais laissez-le tranquille! Attends. Je suis contre ça, moi. Aïe! Ok, dans la mouise. Moyen de le péter ou pas du tout? Attends. Ah non,
Non, non, fallait pas rester devant. Le mec qui veut se mesurer, hein. C'est incroyable. Je suis complètement con. Je suis déjà mort deux fois, mais c'est trop tendu, en fait. C'est trop tendu, tu meurs hyper vite. C'est dingue. Donc, disais, faut un véhicule. On en a un. Très bien. Allez, viens par ici, muchachos. Viens par ici, c'est du grand n'importe quoi. Allez, raboule. Nous voilà au-dessus du ravin. On va encore devoir survoler un lance-missile, pas vrai? Encore? Oh la vache. Mais pourquoi pas? Allez. Merde, attention, on y va. Let's go, on y croit. Allons-y. C'est bon. En fait, ça passait même sans, même sans le propulseur, hein, tout à l'heure. Ça passait même sans ça. Pas de problème. Attends, par contre, c'est... attends. Ils me disent que c'est là-bas. Je comprends plus rien, moi. Alors, ils me mettent pas de GPS, c'est trop bizarre. Attends, bah, je pense qu'on va contourner, du coup. Ouais, amener le hacker jusqu'à la console. C'est pas l'endroit qu'on vient de faire juste avant. Ah non, non, non. Pas exactement. Ok, on y va, vieux. Ici, s'il vous plaît. C'est bien. Oui, oui, c'est très très bien. De toute façon, par contre, évite de te faire toucher, merci. Oh, mais c'est pas possible. Laissez-nous tranquille. Voilà. C'est fini, oui. C'est bon, je le couvre. Oh merde. Là, c'est hyper dangereux, là, il y en a vraiment partout, hein. C'est la folie, hein. Mais il meurt pas? Ok, bon. Oh, eh, c'est ce que j'ai dû faire. C'est ouf, hein. Alors attends, comment je fais? Ranger, voilà. Ok. Je détecte un hélico. Restez sur vos gardes. Un hélicoptère. D'accord. Qui vont dire attends. Et où tu vas arrêter toi? Vraiment, un hélicoptère va arriver, c'est quand même. Waouh, effectivement. Ouh. Attendez. Voilà, j'ai eu le pilote. C'est bien vu, barbu. J'ai eu le pilote, plutôt classe. Et l'un de l'autre côté. J'ai eu le pilote aussi. Attends, elle est avec moi, la mitrailleuse, ou comment ça se passe, en fait? C'est une bonne question, ça. Bon, c'est bon, il a beaucoup de vie, hein, le hacker, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ils sont où? Ça roule, ma poule! Prends ton temps! On s'est débarrassé des deux hélicos pour l'instant. Oh non. Oh non, vieux. Les ennuis recommencent. Je l'ai eu. Ce qu'il y a de bien en plus, c'est que les pilotes sont en plein milieu de l'hélico, quoi. C'est débile. T'as juste à viser au milieu, en fait. C'est trop easy. Je suis sûr que j'avais une arme lourde en plus pour ça. Attends. Laisse-moi récupérer fusil d'assaut. Allez. Ça c'est fait. Dispersion de la Rungla. Terminé. Sargento, les missiles d'oro de la Rungla ne poseront plus de problème. Bien reçu. Bravo. Merci pour la balade, Rico. Si ça dérange personne, je vais prendre une voiture et refaire un de ces sauts, moi. Il n'y a pas de souci, mon coco. En tout cas, tout s'est très bien passé. Donc regardez, voilà, ça c'est fait. Ce qui me donne 3 unités en réserve. Donc c'est bien. Voilà, je suis content. Ce qu'on pourrait faire du coup éventuellement, c'est avancer pour sécuriser la région. Et donc c'est ce qu'on va faire. Allez, hop hop hop, ligne de front avancée. Ce qui nous fait 4 unités en réserve. Eh ouais, on est bien, fusil à pompe CC-10, largage aérien du coup disponible. Allez, c'est cool. On pourrait également faire avancer ici, il y a besoin de 2. Et là, pour info, il y aura besoin que d'une. Donc au pire, on peut le faire maintenant, tu vois. Allez, on va le faire aussi. On avance dans cette région. Et il nous reste 2 unités en réserve, conteneur, largage aérien. Et regardez, apparemment, il y a un nouveau truc, entraînement, destruction de parabole. Ok, nouvelle mission S, donc de Sargento. Ça, c'est plutôt pas mal. Et là, regardez, ce qui serait bien. Alors ici, il faut sécuriser... ah oui, il faudra sécuriser ça aussi. Et je pense qu'on peut également avancer. Eh oui, on peut avancer, bah c'est parti. Voilà, ligne de front également avancée. Il me reste une unité en réserve. On débloque le fusil à foudre DA 9.3. Fusil à foudre.
Je trouve que ça va être énorme ça. Donc là, mine de rien, on a débloqué pas mal de régions. C'est cool. Et on peut maintenant faire l'objectif, l'opération foudroyante. Bah écoutez, on y va. On va le faire tout de suite, ça fera une mission principale comme ça. Allez, on y est, direction l'opération foudroyante, la bobine à ion. On va faire ça, donc je vous rappelle ici même. Hein. Alors on peut se téléporter, hein, je vous rappelle effectivement dans les endroits qu'on a débloqués. Donc ça c'est un endroit qu'on a pu débloquer, je me suis simplement déplacé. Ça m'a donc largué en avion au-dessus de la zone. Voilà, c'est vachement bien. Scanera, bon qui sert pas à grand chose. On voit juste les points d'intérêt, tu vois, avec les missions et soumissions. Voilà, nous y sommes. Une nouvelle opération va commencer. Alors c'est vrai que c'était assez tendu hein, de s'occuper des générateurs et tout. Ah mais on connaît là, ouais effectivement, on connaît bien. Prêt à tourner. Bah oui. Allez. Hop hop hop. Ah mais non. D'accord, prêt à tourner là, j'ai commencé la mission de Garland. Non, on fera ça plus tard, on va d'abord faire la mission principale. Allez, let's go. C'est ça? À en croire les données que t'as trouvées, la bobine à ion à l'intérieur crée des ondes positives qui provoquent des orages électriques. Et donc, elle crée la foudre? Non. Elle crée une charge positive qui attire ensuite des charges négatives. Donc, la foudre frappe la bobine à ion, mais rien d'autre autour. Donc, elle absorbe la foudre. Comment est-ce qu'on la sort de là? Eh ben, il faut contourner le système de sécurité. Des paratonnerres protègent toute cette zone. Si on libère ces paratonnerres, ça libérera la bobine. Des paratonnerres? Je croyais pourtant que ce truc absorbait la foudre. Si Mira dit que ça fonctionne, ça fonctionnera. Je sais, c'était pour la taquiner. Je vais déployer les paratonnerres. Il était beaucoup plus facile à vivre avant. On s'entend très bien. Allez, entrons vite. L'orage approche. Force les paratonnerres à se déployer. Ça devrait déclencher la sécurité et libérer la bobine. Oh, mais c'est que je sens la tempête. Mais oui, alors déployer les paratonnerres. D'accord. Et c'est vraiment ce qu'on veut voir, hein, des conditions climatiques un peu particulières, parce qu'effectivement, c'est ce qu'ils nous avaient promis dans ce Just Cause 4. Et pour l'instant, ce qu'on n'a pas vu, il n'y a pas eu une seule tornade. En tout cas, moi, j'en ai pas vu, hein, pour l'instant dans le jeu, donc j'ai hâte de voir ça. Allez, on va commencer par là. Hop, hop, hop. Alors, comment ça va se passer, par contre? Ça, c'est encore autre chose. Premier paratonnerre. Doit y avoir un disjoncteur tout près. Si tu l'actionnes, ça déploiera le paratonnerre. Alors, voyons voir. Ah oui, je me souviens. Faut mettre ça là-haut. Ah, du coup, attends. Faut le mettre sur un... Bah, bonne question. Ça marche pas? Alors, il y a trois paratonnerres. Alors, attends, je vais aller voir celui de là-bas, parce que je sais pas si, du coup, on peut déployer ça... S'il n'y a pas de plafond, tu vois, parce qu'on l'avait fait avec un plafond. Comment ça se passe dehors? Ça mouille. T'as jamais essayé d'utiliser ton parachute comme un poncho? Marc, c'est vrai que ça servira à rien contre la foudre. Ça le donne. Alors, voyons voir ici. Ah, voilà. Ah, non mais d'accord. Ah mais je suis con, attends, j'avais la mauvaise configuration. Bah oui. Mais voilà. Et s'il y en a... Alors, foudre. La foudre frappe les cibles situées en altitude. Restez près du sol et déplacez-vous rapidement pour éviter la foudre quand elle est sur le point de tomber. Les paratonnerres déployés attirent la foudre, protégeant leurs périmètres immédiats. Pas à proximité. Sans charge positive, la charge négative. Si la foudre s'apprête à te frapper, Rico, cours aussi vite et aussi loin que possible. Je foncerai, entendu. Ouais, je fonce. Aïe. Bon, par contre, là... J'avoue, c'est n'importe quoi. Allez, en cette direction. On part vite, hein. Dans cette direction... Pas de soucis. Donc, on revient ici, effectivement. Et là, maintenant, on a compris qu'en fait, on était dans la mauvaise configuration. Celui-ci est déployé aussi. Allez, let's go. Il en reste plus qu'un. Bon, par contre, je suis un peu bloqué par ce machin, là. Je me suis fait bloquer. Ok, let's go. Et un petit dernier. Attention à des éclairs dans le coin. Et toujours pas de tornade, hein, mine de rien. J'aimerais beaucoup, ce serait bien. Allez, on va là-haut. Dernier paratonnerre.
on se dirige par là, hop hop hop, et le dernier, il est juste ici. Effectivement. Allez. Le dernier paratonnerre est déployé, et moi je suis trempé. Retourne à la console et tu pourras faire monter la bobine à ion. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? Le café est trop chaud! Je me suis brûlé la langue! Va à la console. Il est con. Ah là là, je te jure. Hop, on y est. Ouh là là. Aïe, mais oui, d'accord, ah oui, ça fait ça. Ouais, nickel. La bobine à ion arrive. Mais on dirait que les paratonnerres sont redescendus. Merde, il y a un problème. Attends. T'as intérêt à dégager vite fait quand la poudre s'apprête à frapper, petit. Merde, il y a un problème. Attends. Tu seras en sécurité si tu restes près de la bobine. C'est parce qu'elle absorbe la foudre, Rico. Fermez-la et actionnez cet interrupteur. Ouais, très bien, c'est fait. Merci. Rico, c'est un simple problème technique. Le matériel est vieux. Essaye d'envoyer un signal au paratonnerre depuis cette console. Alors attends, utilisez la console pour redéployer les paratonnerres. Ah, j'ai pas réussi à vraiment esquiver les la foudre. En même temps, c'est hyper dangereux. Hein. Alors, on va faire le tour. Oh, merde. Chaque fois, je fais la même connerie. C'est quand même fou. Hein. Ok, allez, dépêche-toi. Reviens ici. D'accord. C'est exactement la même chose. Ok, c'est bon. Les paratonnerres remontent. Ça devrait faire l'affaire. On va tâcher d'extraire la bobine. Super, on a réussi, petit. Ouais, beau travail d'équipe, Sheldon. Maintenant, trouve-moi une serviette. T'as l'air gelé. Tiens. Mais dis du tien, petit. Moi, je remplirai ma part du contrat. Toi et moi, c'est pas gagné d'avance. Je sais que t'as renversé un bon tas de dictateurs, mais je vois que toi, t'as pas changé. Toujours le même petit con qui a 17 ans. Si j'avais 17 ans, je serais pas si déglingué. C'était l'époque où tu te fringuais comme un Johnny Cash mexicain. T'as quoi contre Johnny Cash? Oh, rien. Non, j'ai rien du tout contre Johnny Cash. Seulement, il existe des fringues plus adaptées pour combattre. Et ta chemise hawaïenne, alors? Bah quoi, elle est très bien, ma chemise hawaïenne. Eh, je crois qu'il y a quand même plus adapté que ça pour combattre. Donne ça. Eh ben, c'était relativement tendu. Eh ouais. Allez, foudroyante, la bobine à ion. Bah écoute, c'était assez court. Je pensais que ce serait plus long pour une opération, tu vois, de l'histoire principale. Camion Prospero, largage aérien. Très bien. Ah, les gens ont peur, je peux les comprendre. Bon, bah ça s'est fait, écoutez. Attends, pourquoi c'est bloqué? Sécurisé. Ah non, mais c'est encore autre chose. Ah oui, donc il y en a plusieurs, l'opération n'est pas terminée, je me disais aussi. Sécuriser Delta Rio Wanai, donc c'est quelle... Ah oui, c'est la région, effectivement, à droite. Une grosse région. Ah ouais, une grosse big région. Eh bien écoutez, ce qu'on va faire éventuellement pour finir, on va s'occuper, je pense, de l'ouverture de Fortaleza. Ouais, on va s'occuper de ça. Allez, du coup, je vais demander un ULM. Hop, 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 demander le largage. On va le mettre du bon côté. Regardez que vous pouvez justement faire une rotation par rapport au conteneur qui va arriver du véhicule. Voilà, on fait comme ceci, et je l'amène là. Allez, je demande une livraison. Il me faut une petite piste pour décoller, hein. Ça prend un petit moment avec ce véhicule pour décoller, j'espère que ce sera suffisamment long. J'aurais peut-être dû te prendre peut-être un peu plus long, on verra bien. J'espère que ça va suffire. Allez, c'est parti. Et donc, non, pour répondre à certains commentaires, non. Si on utilise la wingsuit et tout, c'est pas plus rapide que par exemple ce véhicule-là. Pas du tout. Par contre, est-ce que c'est plus rapide effectivement qu'un véhicule terrien? Oui, je pense. Je pense que c'est plus rapide. Mais là, regardez comme c'est rapide. Ça va bien. Par contre, il n'y a pas de turbo.
Non, il n'y a pas de turbo. J'aurais dû mettre, remarque, quelques petits boosts sur mon véhicule. Ah, c'est pas grave, hein. On n'est pas trop loin. La Manoir a pris le contrôle de la centrale de Muro Fortaleza pour permettre la construction de IAPA. Les coupures se multiplient depuis. Et on a une idée pour entraver les travaux qui rendent le courant aux gens qui payent pour l'avoir. Attention! Je ne sais plus où je suis. Donc alors, voyons voir. Nous y sommes, hein. Nous y sommes. Putain, par contre, là, je ne sais plus où je suis. Je vais sauter. C'est quoi, comme ça? On se rassure. Donc on y est, on va descendre directement. Je suis au barrage. Les vannes sont fermées depuis El Abismo. Ils stockent l'eau et limitent fortement la production d'énergie. On pense qu'ils tentent de nous ralentir en rationnant le courant dans la région. Quelle que soit leur raison, s'ils veulent garder les vannes fermées, nous, on doit les ouvrir. Allez à la centrale électrique au centre du réservoir. Alors, la centrale électrique au centre du réservoir... Ah bon, t'es pas loin. Super. Ah, par contre, ils vont pas être contents. L'ascenseur est hors service. Merde. Le manoir doit le verrouiller à distance pour empêcher tout accès non autorisé. Là, essayez cette console. Alors, une console. Attends, laisse-moi faire péter ça. Dans le plus grand des calmes. La console, là-bas. Calme-toi, toi. Attends, je vais récupérer une arme parce que là, j'ai plus de mun de snipe. Oh là là là! Pas bon. Attention. Je récupère ça, s'il te plaît. Merci, c'est gentil. Wow. Allez, on va partir par là-bas. Ok. Hop. Petit parachute, ce qui me permet de monter. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Là, il y a du monde. Voilà, bien vu. Fais péter ça là-bas. Fais plus de points, c'est cool. Aïe. Ouh. Allez, je m'occupe de la console. En même temps, il y a tellement de possibilités, tu vois, on peut tout casser. Allez. L'ascenseur est ouvert. Ouh. C'est bon, on peut prendre l'ascenseur maintenant. Nice, guys. On y va. Petite wingsuit. Voilà. Let's go. Si on détruit les générateurs qui se trouvent en bas, les turbines qui maintiennent les vannes fermées seront vulnérables. D'accord. Faut ouvrir les portes blindées. Bon, je suppose qu'on va avoir un max d'ennemis ou pas. Non, apparemment, c'est des gens qui bossent. Les générateurs sont derrière des portes blindées. Je vois plus l'ennemi. Je vais le chercher. Ils viennent me chercher. Intéressant. Venez par ici, je suis prêt à vous accueillir. Allez. Ouverture. Oula. Il y a 4 générateurs à détruire apparemment. Ah d'accord, à chaque fois faut ouvrir les portes. C'est relou ça un peu. Allez. Ce qui est bien, c'est que là on a quand même une certaine liberté. Quoi, ça prête pas? Ah si, à faire. Voilà. C'est cool. Hop. Voilà. Et de deux. Déjà. Et y'a pas d'ennemis du coup, on est bien tranquille. Ouais. Oula. Aïe. Je n'ai pas maîtrisé la réception. Vous l'avez vu, hein. Évidemment. Voilà. Par contre, c'est vrai que la gestion du grappin, c'est génial. Hein. Sans deck, moi, je trouve ça super cool. C'est bon ? Voilà. À nous deux. Et un petit dernier. Hop là. Wouhou. Les générateurs sont détruits. Parfait. Remontez. J'ai marqué vos cibles. Une fois la dernière turbine détruite, on pourra ouvrir les vannes. Maintenant faut péter les turbines. Très bien. Faut ressortir du coup. Attends. Ah mais je suis con, je peux remonter avec mon grappin. Le mec. Je suis pas un homme normal moi, tu sais, je suis quand même bien équipé hein. Alors là-bas. Et là-bas, on va commencer par ça. Petite wingsuit du plaisir.
Merde, putain, pourquoi j'ai rebalancé le parachute, quoi? Dodo. Voilà. Ça, on va le péter. D'accord. Oh là, d'accord, il est explosé tout seul derrière moi, quoi. Tu vois bien. Ouh, attention, attention, attention. Ah, mais attends, simplement en la prenant comme ça. Ah, mais oui, d'accord. Ok. C'est pas ça? Faut la tirer dessus, simplement? Bah, si, d'accord. Faut la tirer et après tirer dessus. C'est pas encore pété? Apparemment, non. Quoi, j'ai plus d'armes? Attends, je vais récupérer. Ah, voilà. Je préfère. Ah bah dis donc, c'est quand même costaud. C'est quand même ultra costaud. Je vais prendre une autre arme encore. Hein. Attends, j'ai une caisse, j'en profite. Ouh, un petit sniper, ça peut être bien. Un tir, un mort. Un petit sniper, ça peut être bien. Allez. Un tir à mort, comme dirait l'autre. Ouh, joli. Ça me donne trop envie de faire un jeu de sniper. Bientôt les amis sur la chaîne, je vous refais un jeu de snipe, hein, style Sniper Ghost Warrior. Il faudrait. Ouah, c'est quoi cette changement de teinte? D'accord, quoi, tout roule ma poule. J'ai pas compris ce changement graphique. Un peu bizarre, mais bon. Comme tu veux. On fait avec, on a pas de choix. Hein. Attention. Attends, merde, je suis con. Change d'arme. J'ai dit change d'arme. Il meurt pas lui. Attends, what the fuck. Barre-toi. Le mec il est blindé jusqu'à la moelle. Comment ça se passe? J'ai pas fait attention à la retomber là, tu vois. Putain, lui il meurt d'un coup. Abusé l'autre. Il est encore là. Putain, ils sont vénères, les mecs, hein. Ils sont ultra vénères, hein, moi, je te le dis. Par contre, si je vise pas bien... Headshot, voilà, fallait l'avoir à la tête uniquement, c'est ça, le truc. Ah, j'ai plus de mun du tout, là. Ah, oh, mais les munitions se vident trop vite. Ça, c'est chiant. J'avoue que ça, c'est relou, un peu. Alors on a une turbine ici, on va la tirer, alors attends. Ouais. Faudrait dégager les caisses, non, avant? Moi je dis, faut dégager les caisses. Attends. Merde. Détache les liens. Voilà. Faut déblayer ça d'abord. Pas le choix. Et là maintenant, hop. Voilà, tu la tires. On peut utiliser éventuellement la mitrailleuse. Okay, c'est parti. Allez. Mais non! Où tu fais ça? Allez, faites-la quand même. Ça va le faire. Voilà. Ça va suffire. On casse tout. Il y a quelqu'un derrière moi, par contre, c'est un petit peu chiant. Attends, je vais m'en débarrasser. Il est où ce con? Tranquille un peu, je sais pas quoi. Voilà. 2 sur 4. Et qu'est-ce que c'est long, les bobines? C'est oufissime, hein. Alors attends, qu'est-ce qu'on a comme arme au fait? Fusil d'assaut, fusil à pompe, je vais prendre ça. Je crois qu'il y a pas beaucoup de munitions, hein, c'est terrible. Hein. Je vais prendre ça. Alors maintenant c'est un peu plus loin. Hop hop hop. Je me sers de l'arbre. Ouh, wingsuit. Non, je me suis écrasé comme une grosse merde. Bravo Galax. Bravissimo. Par contre, tu vois, là, c'est une mission... c'est sympa, mais t'as l'impression, en fait, c'est comme une mission principale, quoi. Cherchez un autre moyen d'entrer. Sous l'eau, peut-être. Ah, sous l'eau, apparemment. Sérieusement? Sous l'eau? Comment on fait pour plonger?
Y'a un moyen de plonger? On m'a jamais dit comment on plongeait. Oh merde. Attends, sous l'eau. C'est quoi cet engin? Attends, on va faire celui-là déjà là-bas. Sous l'eau? Comment on fait pour aller sous l'eau? Tu m'en diras tant. On me l'a encore jamais dit dans le jeu. Bah ouais. Non, ici je crois. Merde. Voilà. J'ai encore une fois une caisse d'armement là. Bon, maintenant qu'on sait qu'il faut la tirer. Voilà quoi. Ça va aller mieux. Au revoir. Au revoir. Pourquoi? Mais... reste là. Au revoir. Voilà. Bon, ça va plus vite après quand tu sais comment ça fonctionne. Une caisse d'armes. On va échanger, hein. Je vais prendre éventuellement... Par contre, il y a un petit décalage à ce niveau, c'est chiant. Voilà, ensuite j'ai le fusil d'assaut, je vais échanger, je prends une lance-grenade. Histoire de varier un petit peu. Oh shit! Barre-toi! Salaud! Putain, mais en plus il lâche 3 grenades à la fois quoi. Tout va bien. Il lâche 3 grenades quand il crève. Donc du coup on disait sous l'eau! Mais c'est-à-dire? Bah déjà ça fait que le jeu... Ah non! Ok, j'ai réussi à aller dans l'eau. Je sais pas comment j'ai fait en forçant un petit peu. Et apparemment, c'est bien là. Du coup, j'ai aucune info comment remonter à la surface en fait. Tu vois? J'ai aucune info de comment remonter à la surface, je risque de crever en plus. C'est très bizarre. Non, apparemment c'est bon, j'ai survécu, mais c'est très bizarre parce que le jeu ne nous indique pas comment on remonte en fait. La gestion de la... de la plongée, enfin ça existe pas en fait, c'est inexistant le truc. C'est bizarre. Ça c'est sûr que c'est très bizarre. Et pour vous là-bas, cadeau. Ah merde, c'est des gens ça. Tranquille. Donc détruisez la turbine, il en reste une ici. Ah bon, on a trouvé mais non franchement faut faire un accident en fait, faut se projeter dans l'eau, tu peux pas plonger dans l'eau de manière classique quoi, tu vois. C'est ça qui est très bizarre aussi. Allez, je vais tout péter. Voilà. C'est bon. C'était la dernière turbine. Il reste plus qu'à ouvrir les vannes. Quand l'eau coulera à nouveau, on pourra rendre le courant à des milliers de gens. Alors, ouvrez les vannes. C'est où ça? C'est en dessous, hein. Attends, faut ressortir? D'ailleurs, est-ce qu'on va passer par là? Bon, y'a rien. Je voulais voir. Je vais voir s'il y avait autre chose. Autre chose plus loin, mais non, pas du tout. Ah, c'est bugué! Attendez, je m'occupe de lui. Il y avait un mec là, non? Ouais. Coucou. Est-ce qu'il y a moyen de sortir par là? J'ai l'impression que ça s'ouvre pas. Ou alors que peut-être on peut l'ouvrir grâce à ça. Ah oui, utiliser la console. Accès à la base. Voilà, ça ouvre effectivement. Oh merde. Ok. Salaud. Il l'a évité. Alors là, c'est un peu plus loin. Ok. Ah ouais, je me suis pris de chou parce que je me disais, mais comment on fait? Parce qu'on peut pas plonger, tu vois, en fait. En fait, faut forcer Rico. Faut le violenter pour qu'il aille dans l'eau, en fait. Mais on peut pas plonger juste en appuyant sur un bouton. C'est très, très, très étrange. Vraiment, hein. Moi, ça me surprend, hein. D'accord. Des fois il est hyper lent, tu sais pas pourquoi. Allez. C'est par là. Putain, c'est loin. Ok. D'accord, donc c'est juste là. Activité ennemie possible, je les vois. Allez. On active tout ça. Et voilà. Voilà. Ouais, le fleuve peut s'écouler. La main noire ne peut plus rien faire de ce barrage maintenant. Mission accomplie, Rico. Et voilà, ça c'est fait, mesdames et messieurs. Ouverture de Fortaleza. Et franchement, c'était un petit peu chiant parce qu'à un moment, je me suis dit, mais attends, mais je suis bloqué, comment je fais pour aller dans l'eau?
C'était un peu énervant. Allez, bah écoutez, sur ce, les amis, hop, on fait plouf plouf. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure sur Just Cause 4. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, évidemment, qui fait plaisir. C'est la récompense également. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite de la série. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.